Eh bien, tout seigneur, tout honneur, cette compétition se termine donc avec son vainqueur, Javier Fernandez. It was absolutely a great show, Javier, for you today, wasn't it? C'était vraiment absolument super aujourd'hui. It was a great show, I think, from beginning to end. It was not an easy competition for me and not an easy month. Ça n'a pas été une compétition facile pour moi. Ça n'a pas été non plus un très bon mois de préparation. How did you manage to do it? Comment l'avez-vous fait, ce programme extraordinaire? Well, I was just thinking it was my only chance to win the Sudo because he already had 10 more points more than me in the short program, and I just had to do a clean program to have that chance. Il fallait simplement que je fasse ce genre de programme pour battre Yuzuru, et c'est exactement ce qui s'est passé. Philippe, vous avez parfois vécu ce genre de choses. You have seen the program of Yuzuru before you skate. Vous avez vu le programme de Yuzuru avant de patiner? No, I was in the back, but I could hear a little bit. I knew he had like a couple mistakes, but I didn't know exactly what he did. Non, j'ai pas effectivement trop vu le. J'étais un peu dans les coulisses. J'ai entendu les gens applaudir, mais je ne sais pas exactement ce qu'il avait fait. Kill everybody tonight. Tué tout le monde ce soir. Pas mal, Yannick, hein, votre voisin de droite. Hein. I saw you on the practice all the week, and I saw you sometimes very shaky. Ouais, je vous ai vu un peu souffrant et un peu tremblant, notamment dans les how entraînements. Can you be so powerful today? Comment vous réussissez à être puissant aujourd'hui? I think because yesterday I couldn't skate and today I barely made the practice. It was I skated like 10 minutes. Et j'avais à peine à m'entraîner, seulement 10 minutes. I think that really kept my brain going and being like, come on, I'm a world champion, I gotta do this somehow. Je suis champion du monde et je dois le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Bravo, Javier. Like Spanish Bowl. C'était formidable. Voilà. C'est ainsi que se termine donc ce reportage de feu avec le vainqueur. Merci de nous avoir rejoints d'ailleurs. Javier, nous nous retrouverons demain avec le programme Libre des filles. Ce sera dès 13h30 sur France 3. N'oubliez pas tout le sport ce soir présenté par l'ami Aaron Tanzit. N'oubliez pas non plus le marathon de Paris demain matin. Le marathon de Paris. Mañana por la mañana. demain matin, et puis dans quelques instants, c'est l'atelier déco qui vous attend sur cette même chaîne France 2. Merci à tous, vive le patinage et à demain. À demain, muchas gracias.